Figurez-vous que j'ai, sérieusement, hein, 3 déménagements au mois d'avril. 3 déménagements d'amis. C'est la période en même temps qu'a-t-elle. Hein. Exactement. Le marché du déménagement constate une hausse de son activité. En gros, entre avril et septembre, peut-être parce qu'avec l'arrivée des beaux jours, eh bien, de nombreux Français ont des envies de renouveau, y compris de changer de maison. Et sachez d'ailleurs que la région Pays de la Loire est la deuxième région la plus mobile de France en 2016, selon un sondage IFOP. Alors, un déménagement, c'est toujours fatigant. Hein. Mais ça peut être festif ou alors, je sais pas, tourner au cauchemar parfois. Souvent. Alors, pour éviter le cauchemar, le secret, c'est l'organisation. J'ai une petite expérience en la matière, donc je vais vous filer quelques tuyaux. Première chose à faire, compter ses amis. Si vous n'en avez pas beaucoup, s'ils ne sont pas très costauds, il y a les déménageurs professionnels. N'appelez pas Lucas, évidemment, il est surbooké. Dans ce cas, faites plusieurs devis pour les professionnels parce que les prix peuvent varier du simple au triple, surtout pendant les vacances scolaires ou sur les week-ends. Maintenant, si vous faites ça entre copains, déjà la bonne nouvelle, c'est que vous en avez. En tête de la checklist, c'est réserver le camion. Oui, c'est vrai. Et là encore, c'est moins coûteux la semaine que le week-end. Évitez par exemple de déménager le 14 juillet ou le 15 août. Il y a le feu d'artifice en plus. Il y a le feu d'artifice. Et puis là, vous allez diviser votre nombre d'amis par deux, hein, à peu près. Ok, alors on a le camion, les bras, et après ? Et après, on fait un rétro-planning. Genre, à 3 mois du déménagement, on pense à résilier son bail actuel par lettre recommandée avec accusé réception. Si vous êtes en location, à J-2 mois, commencez à trier, à donner, à jeter ce qu'il y a dans l'ancienne maison, à récupérer des cartons dans les supermarchés ou alors à en acheter. Et mettez-y dans ces cartons tout ce dont vous n'avez pas besoin d'ici le déménagement. Et surtout, inscrivez bien sur les cartons le contenu et la pièce où il doit aller dans la nouvelle maison. Et quand on arrive à 1 mois du déménagement, à peu près, c'est le moment d'informer les fournisseurs d'Internet, par exemple, de changement d'adresse, de faire votre changement d'adresse à la poste et dans les différentes administrations. Et pour ça, il y a un truc génial, c'est le site service-public.fr. Vous pouvez tout faire en même temps, juste vous cocher et vous changer d'adresse à la CAF, à la Sécu, pour les impôts, pour la carte grise. C'est top. Ça fait tout, quand même. Là, c'est extraordinaire. J-15, vous résilier les contrats d'eau, de gaz, d'électricité à l'ancienne adresse, vous demandez un raccordement à votre nouvelle résidence, vous avertissez votre banque, vos assurances, vous changez évidemment votre assurance habitation. 8 jours avant le déménagement, là, il faut attaquer le démontage des meubles. Bon, ça fait quand même une liste assez énorme, hein, Katel. Démonter, c'est rien, mais remonter, c'est quand même le problème. Ça, tu l'as dit. C'est pour ça que je vous conseille, ça a l'air tout con, mais de prendre des photos des meubles, encore de faire des petits schémas, ou de prendre des notes. Non, mais tu rigoles, mais moi, j'en ai connu qui restaient avec des planches en trop. À J-8, c'est le moment aussi de vider le congélateur et le frigo, et de les dégivrer. Sinon, le jour du déménagement, vous allez rester planté 3 heures devant avec un sèche-cheveux, parce qu'on ne déménage pas un frigo qui coule. Et puis le jour du déménagement, le jour où vous allez compter vos vrais amis, prévoyez un petit kit de survie, sac ou un carton avec dedans, je sais pas moi, des vêtements pour le lendemain, du café, des boissons pour la journée, un ouvre-boîte, un tire-bouchon, très important le jour du déménagement, des ampoules, une lampe électrique, votre téléphone, votre chargeur, ça évitera d'aller fouiller dans les cartons, de tous les ouvrir, voilà. Bon, j'ai envie de dire bon courage. Oui, c'est ça. La vache, oui. En même temps, bon courage. N'oubliez pas la crémaillère aussi, hein, pour fêter ça avec vos amis. Et prévenez les voisins si vous voulez bien débuter votre nouvelle histoire.